Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale gastronomie, à deux pas de la Tour Eiffel trône le musée Rodin. Sculptures, dessins, gravures, voyage entre collections et créations. Le chef colombien Juan Arbelez nous ouvre les portes de sa cuisine aux mille et une saveurs. C'est notre invité du jour. Le glamour futuriste germanier s'exprime dans cette collection et nous, on a décrypté tout ça pour vous. Caroline marie avec poésie la céramique et le métal pour un résultat tout en dualité et en contraste dans le geste. S'ils sont probablement bio, les fruits et légumes d'Archimboldo sont incontestablement beaux. Le portrait vertouné, tiré de la série Les Saisons, représente l'empereur germanique Rodolphe II et illustre tout le génie du peintre. Sourcils épis de blé, lèvres en fruits rouges et poires en guise de nez, impossible de passer à côté du style reconnaissable entre mille de l'artiste qui peint avec une précision déconcertante une fleur délicieuse. Ici, chaque détail est représenté, un portrait à croquer. Derrière cette imposante couverture noire ajourie se cache une œuvre dont seul Larousse a le secret. Un livre de cuisine 100% végétarienne. Sain et écologique, on découvre comment s'alimenter sans viande ni poisson à travers de nombreuses recettes. Des plats pour tous les jours ou d'autres pour les repas plus travaillés. On y trouve même des alternatives sans lactose, sans gluten ou encore vegan. Que ce soit par conviction, par curiosité ou pour des raisons de santé, l'essayer c'est l'adopter et surtout se régaler. Comme un totem color block, les tasses du designer industriel hollandais Richard Hutton se dressent sur les tables. Appelées Dumbo, elles rendent hommage aux oreilles du pachyderme créées par Disney. Si la forme peut paraître simple, la réalisation de cette pièce ne l'a pas été. Les volumes différents entre anse épaisse et paroi mince ont donné lieu à un véritable défi relevé haut la main par l'éditeur Gibson. On lève nos verres à cette jolie performance colorée. C'est au cœur du 7e arrondissement qu'Auguste Rodin installa ses œuvres pour les présenter au public. Visite de ce musée parisien. Les œuvres ne sont jamais les mêmes en fonction du soleil, de l'ombre, de l'époque, de la verdure qui est autour. C'est la bonne manière, me semble-t-il, de voir la sculpture. D'autant plus lorsque l'on est au cœur de Paris, à deux pas des Invalides. C'est dans le 7e arrondissement qu'Auguste Rodin achète un hôtel particulier en 1908 avec une grande idée derrière la tête. C'est son lieu d'exposition, le lieu où il expose à la fois ses propres collections, brûle-parfums asiatiques, œuvres médiévales, œuvres antiques, au milieu desquelles il met ses œuvres. Ce n'est pas le lieu où il travaille, ce n'est pas le lieu où il vit, c'est vraiment le lieu où il peut recevoir les gens. C'est aussi le lieu où il va penser, prévoir son futur musée Rodin. Sa donation à l'État est sous condition que l'État achète le lieu pour le conserver et qu'il y expose l'œuvre de Rodin dans toutes ses dimensions. Cette salle située au rez-de-chaussée du musée a été reconstituée selon des photographies d'époque. Elle évoque la présence de Rodin dans cet hôtel Biron. C'est une pièce qui a une atmosphère tout à fait particulière. La beauté des boiseries, l'atmosphère de la lumière. Et vous savez que la lumière, c'est elle qui fait chanter la sculpture, en vérité. C'est elle qui donne à voir quelque chose qui est à la fois quelque chose du passé dans lequel Rodin se retrouve. Et en même temps, c'est un décor absolument à la mesure de son œuvre. Œuvre de Rodin qui commença par une polémique lors de l'exposition de l'un de ses bronzes au public en 1877, l'âge d'airain, considéré comme trop parfait. On a l'impression que la chair et le sang battent sous le bronze. C'est vraiment une œuvre exceptionnelle. Tellement exceptionnelle que lorsqu'elle est exposée, les gens sont absolument troublés. Et un bruit court bientôt dans tout Paris, ça a été moulé sur nature, c'est-à-dire ça a été moulé sur le corps d'un homme. Il va falloir 3 ans pour que Rodin prouve sa bonne foi, grâce à l'appui de ses collègues sculpteurs, eux, très officiels et très académiques, qui vont expliquer que non, on a là bien l'œuvre d'un modeleur de génie. Une trentaine d'années plus tard, Rodin va créer une statue à l'exact opposé de l'âge des reins, l'homme qui marche, ce qui amène le sculpteur vers une autre considération. Là où il va vraiment être le premier des modernes, c'est la manière dont il va dépasser ce modelage, qui est son talent premier,
pour pouvoir créer des sujets, des figures qui sont issues d'assemblages, d'agrandissements. Vous voyez qu'ici, il y a un torse. Ce torse, c'est un fragment conçu à la fin des années 70, mais retrouvé par Rodin dans un coin de son atelier en terre, tout abîmé, avec des éléments qui sont tombés. On voit que c'est vraiment un objet qu'il retrouve comme un antique. Et alors, il a aussi, d'un autre côté, une paire de jambes. Une paire de jambes qui a été conçue pour un Saint Jean-Baptiste à la fin des années 70. L'assemblage des deux va donner un nouveau sujet. L'assemblage et l'agrandissement donnent donc à voir des statues monumentales qui se dévoilent surtout dans les 3 hectares de jardin du musée. C'était un des grands enjeux pour Rodin que cette manière qu'a la sculpture d'investir ou d'habiter l'extérieur et particulièrement le végétal. De son temps, Rodin réalise également des monuments pour l'extérieur, à l'image de celui des bourgeois de Calais qui lui est commandé par le conseil municipal de la ville en 1884. La liberté de l'artiste, c'est de réinterpréter le texte et d'y voir autre chose. Et en fait, ce que Rodin fait de cette commande, c'est toute la palette des émotions humaines qui vont du désespoir au renoncement, à la vaillance. Il y a tout à la fois. Pas assez héroïque pour le conseil municipal de Calais, mais tellement plus humain, tellement plus juste. Commande après commande, statue après statue, Rodin ne s'épuise jamais et crée sans cesse. Mais l'une de ses œuvres va l'occuper toute sa vie durant. La porte de l'enfer, la porte en fait pour Rodin, c'est vraiment son grand œuvre. C'est elle qui fournit, en fin de compte, tous ces sujets qui sont étudiés pour la porte, puis qui ensuite vont être conservés ou pas, mais vont avoir une autre vie, comme des sujets autonomes qui vont être développés, repris, assemblés, agrandis. Bref, elle est une espèce de répertoire de formes extraordinaire dans laquelle il peut piocher pour assembler et donner du relief. Et en même temps, c'est un projet qui n'arrive jamais à aboutir parce qu'il a du mal à trouver la solution finale qui le satisfasse complètement. C'est le premier conservateur du musée Rodin qui décidera dans les années 30 de finaliser ce bronze, perpétuant ainsi l'œuvre de l'artiste. On s'envole aujourd'hui pour un voyage culinaire accompagné de notre invité, le chef Juan Arbelez. La base de la cuisine aujourd'hui qu'on utilise et qu'on va faire dans tous nos restos reste quand même cette base française. C'est ces jus mijotés, c'est cette technique de cuisson très juste, c'est ce respect du produit. Et pour la mélanger à ma culture et à mon histoire, j'ai tout simplement creusé un peu dans mes mémoires, dans mes souvenirs d'enfance. Et c'est là où on va venir avec une fleur de sel au café, un jus au cacao, un mollet à l'ají panca. Je pense que c'est vraiment dans mes racines que je vais réussir à twister tout ça et faire un mélange original. Parti en 2007 de sa Colombie natale pour faire ses études en France, le chef Juan Arbelez n'est jamais reparti depuis. Ce disciple de Pierre Gagnaire est aujourd'hui à la tête d'une douzaine de restaurants parisiens, dont Plancha à Levallois. Premier chapitre d'une longue histoire d'amour entre la cuisine française et les saveurs relevées de l'Amérique latine. Du coup, les volailles, tu fais le bouillon de l'ajiaco à la volaille, comme ça. Et tu dresses dans l'assiette en terre cuite, quoi, la chamba traditionnelle, quoi. C'est génial. Déjà, juste les odeurs, tu vois, tout le parfum, l'aromatique. Dans le visuel, on est en plein dedans, quoi. Alors, dans les produits qui sont régulièrement dans mes recettes, tu as toujours le citron vert. On a beaucoup de coriandre aussi. Je crois qu'instinctivement, dès que j'ai cette odeur sur la planche à découper, je me sens un peu chez moi. Il y a bien évidemment le café, qu'on ne travaille pas juste à la fin du repas en boisson, mais qu'on essaye d'intégrer un peu partout dans les entrées, les plats, les desserts. Saveurs poivrées, pimentées ou encore citronnées, Juan réveille les papilles en s'inspirant de ses souvenirs d'enfance. Et c'est notamment dans sa dernière création, le restaurant Basurto, que Juan met plus que jamais à l'honneur ses racines colombiennes. Basurto, c'est le marché à Cartagène, c'est un lieu très éclectique. Et où je me suis toujours éclaté à aller découvrir de nouveaux produits, des fruits, des ingrédients, des odeurs, des parfums. Et finalement, c'est ici, 5 rue de l'Ancienne Comédie, qu'on a trouvé un endroit dans lequel, au rez-de-chaussée, on a créé cette ambiance presque marché, où on mange des choses de rue, une cuisine à picorer avec les doigts. Une cuisine colorée de partage à laquelle Juan aime associer ses producteurs français comme Adrien Léonard, son fournisseur de viande et salaison de la maison Montalet, qui après 10 ans de relations culinaires sait comment stimuler sa créativité.
Ça, c'est la saucisse fraîche nature classique. Et comme je sais que tu as un joli, joli outil de cuisson là-haut en cuisine, je t'ai pris un beau train de tomahawk. Donc, tu vois, le carré de cochon, on va taper beaucoup plus haut, comme dans l'esprit d'un tomahawk de bœuf. Décoiné, on garde peau et un peu. Ouais, moi, je serais toi. Enfin, je garderais la peau, la couenne, pour vraiment rendre le côté un peu crispy de la couenne. Je pense que ça peut être très sympa. À force de travailler avec certains producteurs et de se croiser, de se côtoyer, on devient amis, on crée des projets ensemble. On essaye de créer des nouvelles recettes, on a travaillé sur une recette de saucisse ensemble. Le mélange entre le savoir-faire et ce terroir richissime qu'est la France, et puis cet exotisme, ces produits qu'on arrive juste à trouver chez moi, donne une cuisine qui est assez originale, qui est assez particulière, et on arrive à faire voyager les gens grâce à ça. Un voyage qui se passe également au niveau de la cuisson, que Juan réalise ici au feu de bois, comme dans les villages de son enfance. Les fourneaux à l'époque étaient vraiment faits à base de ce qu'on appelle la laigne, donc c'était vraiment le bois directement, ça chauffait toute la pièce. Et finalement, quand on faisait une soupe, un potage, des œufs, une pièce de viande, le fait de cuisiner avec le feu de bois, parfumer la chair, parfumer la recette, donc pour nous, c'était important d'essayer de retrouver cette génétique un peu, cette touche assez unique qu'on a sur la cuisine au feu de bois et qu'on retrouve un peu en Amérique latine, un peu partout. Tout doucement, la viande se parfume et se colore au-dessus des braises avant d'être agrémentée de petites touches exotiques qui lui donneront du caractère. Pour eux, faire le produit français qu'on va légèrement colombianiser. J'avais prévu un peu de quinoa qui est juste grillé. Tu vois, pour la partie de la noix où j'ai un peu moins de peau, pour apporter un peu de texture, j'ai aussi un peu de gruyère de cacao. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent en France dans le salé. Okay. Et nous, on s'en sert presque comme du poivre. J'ai un poivre du Putumayo que j'ai aussi ramené, un poivre vert, qui est top. Ce soir, au service, on rajoutera un petit jus au tamara pour apporter un peu d'acidité. Et pour que le voyage soit complet, chaque repas se termine bien évidemment chez Juan par une note de café. Bonjour Juan. Bonjour. Juan, vous êtes à la tête de pas mal de restaurants aujourd'hui. Je ne dirais pas un petit empire, mais presque. Et pourtant, tout a commencé dans une cuisine à Bogota qui sentait bon le citron, le piment. Ouais, le citron et le piment, c'est vrai que c'est des odeurs à chaque fois que je ressens et qui me font voyager. C'est un billet d'avion, aller-retour rapidement chez moi. Et oui, alors, petit empire, non, je pense qu'on est une grande famille. Une grande famille avec des restaurants très différents, des univers très différents. Chaque resto a été une étape de la vie. Et on est aujourd'hui, oui, de plus de 250 membres dans cette famille. Donc ça commence un peu à être un grand dossier. Qu'est-ce qui faisait pour vous l'attrait ou la richesse de la cuisine française pour partir de Bogota sans un sou en poche et arriver à Paris ? Ben, quand on décide d'être cuisinier, qu'on est colombien, et quand on commence à réfléchir où est-ce qu'on voudrait aller faire ses armes, il y a bien sûr la France. La France où on voit la cuisine presque comme une religion. Moi, je viens de Colombie, qui est un pays très religieux. En France, c'est la même chose, mais avec la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a un rituel quand on arrive à table. Il y a l'apéritif qui est toujours accompagné de saucisses sèches, des saucissons, des jambons. Derrière, il y a les entrées, derrière, il y a les plats. Il y a le pouce café, les desserts, les fromages, les digestifs. Donc, cette religion, je la trouvais fascinante. Je viens d'une famille qui est extrêmement gourmande. Je viens d'une famille où, quand on était en train de manger à table, on était en train de parler de ce qu'on allait dîner ou manger le lendemain. Donc, c'était pas très différent de la France. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on avait ça en commun. Alors, vous avez fait vos armes chez pas mal de grands chefs, notamment Pierre Gagnaire. Qu'est-ce qui vous a transmis ? Qu'est-ce que vous gardez de ces années-là ? C'est le mec qui n'a aucune limite. Il est capable de mettre une glace vanille avec une langoustine, prendre une sauce qu'il y a dans le dessert pour la mettre avec une entrée. C'est là où, en fait, pour la première fois, moi, je découvre que le monde a un catalogue infini de produits. Je découvre l'ail noir, je découvre le fenouil bronze, je découvre des choses que je n'avais jamais vues. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui m'a donné l'ouverture d'esprit, le fait de se dire tout est possible. Et vous avez ouvert récemment un restaurant aux saveurs colombiennes. Ouais. Et vous avez hésité assez longtemps avant de l'ouvrir. Pourquoi ? Parce que c'était trop important. C'était se mettre à nu et c'était surtout dire « Regardez, je vais vous raconter mon enfance, je vais vous dire pourquoi je suis là. » Et j'attendais le lieu magique dans lequel on sentait vraiment cette étincelle pour pouvoir mettre un peu ce feu colombien, ouais. Une cuisine à la flamme. Il y a un moment de partage vraiment aussi.
toute la cuisine d'ailleurs dans ce lieu est de partage. Moi, je suis entièrement convaincu en France, cette histoire de quand on boit dans le verre de l'autre, on lit dans ses pensées. Oui. Moi, je suis entièrement convaincu que ça arrive aussi dans les assiettes. Le fait de partager une assiette, ça crée des liens. Alors les liens, vous les avez aussi avec vos équipes. Vous êtes contre cet ordre très rigoureux, très militaire dans les cuisines. Et par ailleurs, vous êtes engagé, vous êtes contre le gaspillage, pour des produits producteurs locaux. C'est important d'avoir ces valeurs-là. Alors c'est important parce que je trouve que le succès aujourd'hui n'a aucun sens si on broie tout sur son passage. J'essaye de passer des bons messages, j'essaye de passer une bonne philosophie, oui, de gaspillage, de contact, d'humain, d'égalité. Même si je suis chef et même si aujourd'hui je suis aussi restaurateur et que j'ai plusieurs restaurants, je n'ai pas envie de dire je suis le chef de tous les restaurants. Un des plus beaux exemples, c'est ici où on est aujourd'hui. C'est Andrés qui fait sa carte. Il a un terrain d'expression et de créativité qui est à lui. Et derrière, moi, je suis là juste pour accompagner cette espèce de process. Cette énergie-là que vous donnez, vous devez la prendre quelque part. Vous vous ressourcez de temps en temps, vous faites un break, vous partez. Comment vous faites? Parce qu'il faut tenir. Il faut un grand équilibre. Moi, je suis un grand passionné de voyage, de découvrir de nouveaux endroits. Le sport aussi, je pense, ça c'est très important. Et après, j'aime tellement mon métier, j'aime tellement ce que je fais et j'ai la chance d'avoir de l'exercer avec des gens qui partagent une très bonne énergie que finalement, une journée de 16 heures peut se passer tellement vite et même pas se rendre compte parce qu'on fait ce que l'on aime. Donc, Merci beaucoup, Juan. Merci à vous. Fasciné par le traditionnel et le glamour, Kevin Germani nous fait faire un bond dans le temps avec ses collections de 2022. Que reste-t-il du glamour ? À notre époque, cette notion indissociable de la mode et de l'âge d'or des grands couturiers semble parfois presque désuète. À l'heure où l'on cherche à rendre l'industrie plus responsable quant aux problématiques environnementales, les jeunes marques en profitent pour réinventer la mode flamboyante du passé et l'emmener en terrain futuriste. C'est notamment le cas de Kevin Germanier. Passionné par la haute couture, son excellence et son caractère sophistiqué, ce créateur suisse s'est lancé le défi de prouver qu'une création responsable peut aller au-delà des pièces basiques en coton biologique, et que le glamour ne se cantonne pas aux robes fourreaux et aux drapés dramatiques. Comme beaucoup de créateurs de sa génération, il a grandi avec des pièces de seconde main qu'il achetait en friperie pour économiser. C'est donc naturellement qu'il a choisi de façonner ses créations à partir de stocks de tissus inutilisés et de surplus de perles abandonnées par les grandes maisons. Il les réemploie dans des collections à la croisée du savoir-faire et du respect de l'environnement, qui utilisent ce qui existe plutôt que de produire encore plus de matière. Du glamour traditionnel qui l'a toujours fasciné, il a gardé la dimension majestueuse. Il la décline sur des silhouettes géométriques qui célèbrent aussi bien les broderies artisanales que la pop culture de son enfance ou les volumes des années 80. On reconnaît dans ses collections été et hiver 2022 sa passion pour Sailor Moon, héroïne japonaise des années 90, aussi bien que des références aux tenues de cabaret ou à l'univers déconcertant d'Alexander McQueen. On y croise du dénime et des plumes, des tailleurs en maille façon Chanel, et même des bottes UGG, ces chaussures de surf australiennes connues pour leur confort, élevé au rang d'objet grandiose. Une façon d'ancrer le glamour dans des références plus démocratiques qui parlent aux jeunes générations et de changer, au passage, l'image de la mode durable pour la rendre plus désirable. Grâce à une technique de broderie au silicone, Kevin Germanier réalise en un temps record des pièces qui flirtent avec la haute couture, mais nécessitent moins d'heures de travail. Il adapte ainsi l'artisanat à l'immédiateté de l'époque et enrichit son vocabulaire avec des pièces qui évoquent l'avenir plutôt que le passé. Et ça fonctionne.
sa mode a déjà séduit Björk ou Lady Gaga, toutes deux célèbres pour leur style qui flirte avec la science-fiction. Preuve qu'aujourd'hui, le glamour ne se cantonne plus à l'image désuète du vieil Hollywood, mais peut être engagé, humoristique et futuriste. Avec l'innovation pour maître mot, le reste n'est plus qu'une question de posture. Si Caroline jongle avec les matières, c'est pour réaliser des œuvres à la fois fortes et délicates. Zoom sur ses savoir-faire. L'alternance entre la céramique et le métal, c'est intéressant aussi pour une question d'énergie. Quand on travaille la terre, c'est plus centré, plus posé, avec une matière plus douce. Et quand je passe au métal, je suis dans une énergie un peu plus brute. Et l'alternance me convient bien, de passer de l'un à l'autre. Caroline Wagenaar maîtrise un art de la dualité. Elle mélange les matières en associant des compositions de métal à ses céramiques pour mieux exalter leur contraste. Je fabrique mes émaux pour qu'ils soient assez doux et qu'ils accrochent la lumière d'une façon délicate. Et l'acier, qui est un matériau plus brut et plus dur, tranchant, vient en opposition et en complément, comme une oxymore entre les deux, ça crée un sens nouveau. Après la confection et la cuisson des pots, Caroline porte une attention toute particulière à l'émail qu'elle prépare sur mesure et qu'elle lisse avec soin. Et pour cause, c'est cette surface vernie qui assurera la jonction entre les matières. Alors là, ça va être exactement l'endroit où le métal va venir être appliqué sur la céramique. Alors je lisse bien l'émail pour que, à la cuisson, il se nappe entièrement et que j'ai une surface la plus régulière possible. Les œuvres de l'artiste déclinent toute une gamme de blanc, de noir et d'or. L'émail, encore lui, permet à Caroline d'obtenir une palette de tons clairs et de brillance. On peut varier donc par la température de cuisson ou par la composition de l'émail. Selon la température, il est soit très sec et mat. Celui-là, c'est le même émail, mais qui a cuit davantage. Donc, il est plus fondu, plus lissé, il est plus transparent aussi. Ça dépend de quel métal je vais utiliser, quel est le motif que je vais mettre sur le pot. Ce sont les limites de son four qui l'ont d'abord inspirée. Elle qui voulait créer des pièces plus hautes, elle les a donc prolongées avec du métal. Depuis, Caroline s'imprègne des motifs de la nature. Des herbes dans le vent, des écailles, de la mousse qu'elle pose sur le papier avant de les façonner dans le métal. Je fais une recherche plastique, justement, pour savoir comment je vais pouvoir rendre le trait, mon trait de dessin ou mon trait de pinceau, comment je peux le traduire en métal. Donc, aller chercher le bon métal, ça peut être de l'acier, mais aussi du laiton, du cuivre, même du bronze. Et puis, la bonne patine et la texture, savoir s'il va être martelé ou plutôt poli, pour avoir des brillances qui ressortent ou un ton un peu éteint. C'est une recherche qui m'intéresse aussi, évidemment. Grande partie du travail. Caroline offre ainsi des carapaces et des couronnes à ses jarres. Comme ici, avec cette guirlande de bulles assemblée sur mesure. C'est l'étape la plus délicate, à mon avis. C'est que de cet ajustage dépendra vraiment l'unité de la pièce. Que le métal enserre le pot vraiment très intimement. Là, c'est comme une ceinture qui va venir l'ajuster pour trouver le bon diamètre exactement. Je viens mettre le dernier petit rond à la place qu'il faut et je vais le souder par la suite. Carapace, herbe au vent, écailles,
Caroline Vajdar réinvente depuis 15 ans l'alliance de textures qui parcourt son travail. Elle envisage désormais de se tourner vers la sculpture abstraite pour continuer à questionner la matière. Ce numéro spécial gastronomie est déjà terminé, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!